Nous sommes 4 rues Charles Grindorge à Bagnolet, cage d'escalier, donc immeuble 1900, avec Digicode. Nous rentrons, nous sommes au premier étage, porte 3 points de sécurité, avec grande galerie d'entrée. L'appartement a été refait neuf au niveau peinture et sol et électricité. Donc nous avons une entrée parquet au sol, donc grande entrée qui va desservir tout l'appartement. Tout de suite à gauche, derrière moi, un placard avec le tableau électrique et le compteur qui est là. Disjoncteur, tableau électrique neuf. Toute l'électricité a été refaite. Tout de suite à droite, en rentrant, les toilettes avec carrelage, fenêtres, luminaires, peinture blanche neuve. Chauffage collectif par radiateur. À droite encore, dans l'entrée, vous allez avoir la cuisine. Il reste de l'équipement, mais qui est mis à disposition du locataire. C'est-à-dire que si le locataire n'en veut pas, il peut le mettre aux encombrants et mettre ses propres équipements. Donc nous avons gaz dans cet appartement. Chaudière au gaz pour l'eau chaude. Gaz ici. Lave-linge, mais bon, on n'est pas obligé de le garder. Carrelage, peinture blanche neuf, tout est neuf. Compteur gaz ici. Voilà, double vitrage partout avec double vitrage en fenêtre alu. Là, de ce côté-ci, on va donner complètement sur les jardins et les cours. Donc, vue très agréable. Toujours chauffage collectif. On ressort en face, côté rue, côté place de la mairie. On va avoir une première pièce qui est, à mon sens, la première chambre. Parquet au sol. Toujours belle hauteur sous plafond, moulure. Chauffage collectif, double vitrage, toujours sur la place de la mairie, avec soleil l'après-midi ici, vue sur les mercuriales et la mairie. Un petit placard avec petite étagère à l'intérieur, cheminée, luminaire. On retombe dans l'entrée, côté jardin, deuxième chambre. Deuxième chambre. Toujours parquet au sol, peinture blanche, double vitrage sur jardin, donc complètement au calme. Toujours chauffage collectif, toujours parquet reponcé vitrifié, luminaire, peinture blanche neuve. On retombe sur l'entrée et en face. Troisième pièce qui est donc plutôt le salon, puisque c'est la pièce la plus grande. Donc salon donnant sur la place de la mairie et les mercuriales. Toujours chauffage collectif, toujours peinture blanche neuve et parquet poncé vitrifié. On retombe sur l'entrée via la fibre optique également qui a été installée. On retombe sur l'entrée et au bout du couloir d'entrée, nous avons la salle de douche. Bon, je suis désolé, il n'y a pas d'électricité. Salle de douche avec carrelage au sol. Meuble lavabo. Petit meuble lavabo avec lavabo. Petit placard haut à étagère. Petite armoire à pharmacie. Cabine de douche assez grande. Hein, elle doit faire 1,20 m de large. Donc, ce qui fait une belle cabine avec porte coulissante, barre de douche, pommeau, bac et porte coulissante. Voilà, il y a un porte-manteau, luminaire haut, il y a une VMC également dans cette salle de douche. Voilà, donc grande entrée. Hop. Et donc, toutes les pièces donnent sur l'entrée. Première chambre, salon ou deuxième chambre, salle de douche, deuxième chambre sur jardin, cuisine et toilette. Voilà, c'était 4 rue Charles Grindorge à Bagnolet, loyer 1250 euros, charges comprises. Chauffage collectif, eau chaude individuelle au gaz.